Merci pour cet enfant très talentueux. Nous tuerons tous les élèves ici présents se préparer pour l'exécution de l'hymne. 1, 2, 3, chant. À la présentation des corps constitués. Voilà, le sous-préfet va s'installer ici à la tribune et tous ensemble nous allons auditionner le message du chef de l'État adressé à la jeunesse. Didier, nous sommes à votre écoute. Mes chers jeunes compatriotes, et je trouve toujours le même plaisir, la même émotion en m'adressant à vous comme il est de cœur. Cette occasion a toujours été pour moi un moment important, un moment privilégié, l'occasion idéale de réfléchir avec vous sur des questions qui sont au cœur de vos préoccupations et de vos aspirations. Elles ont très comme chez tous les autres jeunes du monde, à votre éducation. Voilà certainement le secret de notre compatriote, Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que, comme vos parents, vous êtes préoccupés par la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Vous êtes
également sans doute inquiet de la perception qu'elle pourrait avoir sur vos conditions de vie. Je tiens à vous assurer que les efforts nécessaires ont été faits pour maintenir dans les proportions. Voilà. Nous rappelons que c'est l'école maternelle esprit de Mang.